Vous me comblez d'honneur, vénérable guide, merci. Oui, bah c'est comme ça que je parle à mes chats. Ça va, ils sont bilingues, ils comprennent, hein. Ce petit chat. Ce petit chat. Ça va, ils sont bilingues, ils comprennent, hein. Je sais, je fais t-shirt. On va créer notre culte. Et on va avoir des fidèles. Guide, l'amour m'est tombé dessus. C'est formidable. Mais à Sally, c'est à peine que j'existe. Pourriez-vous cueillir 10 fleurs dans les bois sombres que je puisse lui offrir? Bien sûr, Clyde. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi de rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. On l'accepte. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi de rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Ne bouge pas. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. J'accepte. Maintenant, je dois trouver le courage de lui dire ce que je ressens. Ne bouge pas. Oui, je vous en prie, ne me jugez pas, mais j'ai toujours voulu goûter un plat à base d'excréments. Pouvez-vous m'en préparer un? Bien sûr, mon petit virus. J'accepte. Ne bouge pas. Croyez en moi, adepte. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. Croyez en moi, adepte. J'accepte. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Ne bouge pas. Sally, ça se fait pas, hein. Je vous en prie, ayez pitié, laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements.
j'accepte. J'accepte. Ne bouge pas. Crois en moi, adepte. J'accepte. Oh, merci infiniment. Ne bouge pas. Crois en moi, adepte. J'accepte. Quelle chance que notre guide ait un tel sens de l'humour. Ne bouge pas. Crois en moi, adepte. Oh, merci infiniment. Crois en moi, adepte. Merci, guide. Je vous en prie, pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. J'accepte. Hello, salut, coucou tout le monde. Bonsoir. Installez-vous. Salut Altar, coucou Charlie, salut Locrian. Hello Symphonia, tu vas bien? Comment vous allez? Bonjour. Ah, vous avez pas la musique alors? Enfin, si, vous entendez la musique, mais vous avez pas le nom des musiques. Alors, attendez, comment on fait? Hop. Je sais pas, peut-être que vous aurez pas la musique aujourd'hui. J'ai tout cassé. Merde. Bref, comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est cassé. C'est pas grave, au moins vous m'entendez. Et vous entendez la musique, je pense aussi. Bien, bien, ok. Très bien. Alors, Snip, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oui, ça va. On fait le maximum, on va dire. Pour que ça aille. Il m'emmerde, lui. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est bon, ça marche. C'est réparé. Cool. Parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je... Bah, avant qu'on lance le jeu, du coup, je voulais juste m'excuser du changement de programme et des imprévus en ce moment. C'est vrai que j'arrête pas de changer la programmation, j'arrête pas d'annuler des streams et tout, et je suis vraiment, vraiment désolée. C'est des circonstances hors de de mon contrôle, malheureusement. Je contrôle rien du tout. En fait, pour la faire courte, mon chéri a des problèmes de santé. Et donc, il doit se faire opérer en urgence demain. Donc, du coup... Je peux pas streamer le soir parce qu'en fait je vais aller le voir. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre mes streams en fait. J'espère la semaine prochaine, si tout va bien. Mais voilà, donc du coup je vous tiendrai au courant. Après, on n'est pas non plus à l'abri de stream sauvage, bien sûr, parce que c'est... J'ai aussi besoin de m'échapper de temps en temps. Donc voilà, donc je sais pas trop comment vont se dérouler les prochains jours, les prochaines semaines. J'espère que ça sera pas quelque chose qui va durer trop longtemps, normalement non. Mais voilà, donc je dois m'adapter et voilà. Donc c'est pour ça que ce soir, déjà, on va jouer à Spider-Man plutôt que Limbo, parce que j'ai envie d'avancer dans l'histoire et que Limbo, c'est un jeu plus simple à poser et à reprendre plus tard. Donc voilà, on va plutôt
plutôt avancé dans Spider-Man aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, on verra quand est-ce qu'on stream la prochaine fois. J'espère vraiment la semaine prochaine, mais je vous tiens au courant. Coucou Silent, ça va bien? Mais voilà, je voulais juste m'excuser parce que je sais qu'en ce moment, c'est compliqué. Et que je change vachement le programme, et voilà. Mais j'essaie de trouver mon rythme, et là, du coup, c'était pas prévu. Et puis voilà, tout simplement. Donc bien sûr, gardez un œil sur Discord, c'est là où je communique en fait. Je me suis rendu compte que sur Twitter, je postais juste quand je pars en live, enfin quand je lance un live, mais je mets pas d'update, j'aime pas trop m'étaler sur Twitter et tout. Donc Discord, c'est vraiment l'endroit pour être au courant de tout. Et voilà. Ah bah écoute, la sieste c'est bien, en même temps Silent c'est très bien ça. Il faut quand on est fatigué. Apparemment les sous-titres ont envie que tu t'appelles Hélène. Donc écoute, tu prends ou tu prends pas, c'est toi qui vois. Mais voilà, donc merci pour votre patience. Petite sieste de 72 heures incoming, vas-y let's go. Non merci, ah. voilà, donc voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu la situation. Et voilà. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de comment ça se passe les prochains jours et quand est-ce que je pourrai relancer un stream. En attendant, eh bien, je vous propose qu'on aille retrouver notre nouveau pote Venom à New York et voir ce qui nous attend, en fait. Comment on fait? Vous avez l'image. A-t-on le son? Oui. C'est plutôt pas mal. Hop. Je vais essayer de pas trop bailler aussi en vrai. Hop. Continuons notre aventure. Je sais plus. Ça fait même pas une semaine qu'on a joué et je m'en souviens déjà plus de rien. City Hall is. This is bad, man. Head in there now. Yeah, sorry. Things got complicated. I'll be there soon. Do you think this is Harry? It has to be. I just saw him in Queens. He turned MJ into one of those symbiotes, but worse. What? She's okay. She broke out of it. Luckily, faster than I did. Connors thinks I had the suit on too long, and now some of it is left inside of me. You really meant it when you said things were complicated. One thing at a time. See you soon, Miles. I hear that. See you. My mind. Okay, attends. I owe someone else a call. Peter? Hey, Ms. Morales. You, make it home safe? I was just, you know, I wanted to make sure. We're fine, we're fine. And Peter, we're fine, too. But next time, answer my calls. Trust me, I'll be on my best behavior. You'd better be. Now go help my son. Whew. Miles needs me at City Hall. Let's go. Silent a été victime d'une sieste perpétrée par Jojo. Pour cause d'ennui. Terrible. Ah oui, c'est vrai que City Hall, c'est dans le sud de Manhattan. Très bien, bah écoutez, alors attendez. On a des nouvelles tenues. J'ai pas assez pour les acheter, de toute façon. Stylé. C'est presque Black Panther. Hein. Il a des mini-jambes. Il est tout maigre.
Ok, on va plutôt... Ah bah non, mais j'ai pas de quoi acheter quoi que ce soit, en fait. Si. Eh non, j'ai rien du tout. Ça s'est débloqué, mais je peux rien acheter, en fait. Il y a toujours un point d'exclamation, mais j'ai tout lu. Tant pis. Ok, compétences, j'ai un point. Bon, en vrai, on fait ça. Hein. Et puis, bah écoutez, let's go, on va fast travel, on va pas se prendre la tête. Oui, je voulais juste voir un truc. 27 sur 31. Très bien. Oui. Ah, oups. Mr. Osborne, are you okay? I'm worried about Harry. Yep, me too. To talk to. He's not himself right now. And it's all my fault. It's mine too. Harry told me about his treatment. I knew something was off, but I was just happy he was back. I should have told him that more. You still can. I'll let you know if I hear from him, Mr. Osborne. Okay. I appreciate it, dear. Harry's been busy. Yeah. Well, good thing the cleanup crew's here. Let's go. This is some help worse than I thought. And no sign of Harry. He has to be here. Let me help with that. Dickie told me there are a bunch of civilians trapped inside. Apparently they were using this place as shelter. We'll get them out safe and sound. How are there this many? Like he's trying to build an army. If you ask him, he's trying to heal the world. Getting a bunch of messages on the app from people inside City Hall. They're trying to evacuate onto the roof. Then we better clear a path. There's an emergency exit up there. Let's go! Je suis coincé. Okay, we good. All clear. Let's get him out of there. Où ça? Ah oui. Ah oh. Oups. Ouf. Ah. We got a problem.
Oh, let's go! Lee! Spider-Man! He said there was still some of this thing inside him. I see. I think I can clear it out of him. But only if I go to the source. I'm going in with you. Ah, c'est cool, même si on l'aime pas, Lee. Moi j'aime bien quand les méchants ils deviennent gentils. J'ai un peu une âme de bisounours. Find Spider-Man. All of this dark matter should lead us toward him. Ooh, hello. All right. On my way. Where are we anyway? We are inside Spider-Man's mind. I've seen what those creatures do to people around the city. They get in your head, twist your desires. Mad they stole your routine? I know you're joking. You're making my point. This thing, it fears my power for some reason. And we are the only ones who can find where it lives. So we clear this thing out at the root, and Spider-Man's free? That's the plan. All right, then. Il n'y a pas à dire, il est quand même classe, hein, Lee. All right. Weaken the symbiote, take back control, use our powers to save Spider-Man. Where do we start? We have to find the source of his pain. Follow me. Oui, t'as raison, le Kryan, c'est vrai. But I can't promise what we'll find. Il y a des similarités quand même. New York. Down here, I think I found something. I think. Miles! Ah oui, le problème c'est que c'est pas des copains par ici. What was that? Lee? Prison break! Prison break! Never thought I'd be relieved to see you! And I'll make it count then! More incoming! Again? Hello Jojo, ça va? Bien remis tes émotions d'hier soir. Everyone he puts away, they keep coming back. Must be frustrating putting criminals away just for them to escape and cause more pain. It's part of the job. He knows that. What is? Believing in second chances. It's like they never. That's enough! I get it! Did you do that? No. The symbiote. He killed them all. The problem solved. That's not what Pete thinks.
No. But it might be how he feels. All these villains. He really thought the suit could solve it all. Is that... me? You caused a lot of pain, man. Debt. I will spend the rest of my life repaying. There's something up ahead. You're close. May's house. I haven't asked Pete about her in a long time. What's wrong with me? When you get caught up in one part of your life, it's easy for the rest to fall away. Look who's home. Thomas Oh, merci beaucoup Elkinou pour le raid, bienvenue à vous, installez-vous. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Thomas Salut Elkinou, tu vas bien? J'espère que t'as passé un bon stream. C'était quoi ce jeu? Pneumo Capsula, Domiki, je connais pas du tout. Ça va. On est sur Spider-Man 2. On avance dans l'histoire, on est sur la fin en vrai. Salut Avia. It is her. She's dead because of you. I never meant for her to get hurt. This is your chance to make it up to her then. I feel something upstairs. Un petit jeu de réflexion cool. Ça t'a plu? Oh! Ouf. Salut Blackie, tu vas bien? Your power does have the same effect in here. Yeah. I guess it does. Bloqué sur un truc à la fin. Oh non, c'est nul ça. Oh trop cool, une mini session de jeu de rôle. C'est quoi le thème? T'inquiète, pas de problème, Elkinou. Bon appétit, merci encore pour ton raid. Et à la prochaine. J'ai construit ma vie autour de ce endroit. Ce sera probablement le plus proche que je vais jamais voir de l'intérieur de ça. Pas que je mérite. Lee, pourquoi as-tu fait ça? What did you want? Revenge. Norman Osborn's the reason my parents are dead. So I dedicated my life to making his hell. Instead, you lost your father. Peter lost May. And I was too stubborn to see I had become what I despised most. Sorry, Miles. Up there. That's the source. If we clear this out, we just might be able to save him. On est toujours sur notre campagne chronique oubliée qu'on a commencé au confinement, mais trop cool. Trop chouette. Bah nous on essaye de sauver Peter. Maybe. On est dans sa tête. We have one more option. If I can transfer all of my power into the symbiote, il va sacrifier it and free Peter. What will happen to you? I guess we'll find out. Ça me rend presque triste. Well, je suis vraiment trop un bisounours. C'est terrible. This is my last chance to say anything to you. I won't forgive you. It's just not in me. But I can't carry this hate for you anymore, man. So let's set things right. You and me.
probably like this. Why didn't you give me this power sooner? I could have used it. I didn't give you those. You didn't? Things my way sometime. I'm not sure I'd make a convincing hero. Won't know until you try. T'as bien avancé dans l'histoire. Ouais, un peu quand même. Bah en fait, Harry a attaqué City Hall, donc la mairie de New York. Et donc on y est allé et en fait, le symbiote a capturé Peter. Et donc là, on est dans la tête de Peter et on essaie de le sauver, voilà. Donc c'est ce qui se passe. Je suis plus trop les Spider-Man, mais les deux derniers films en animé m'ont plu, le truc métaverse chose. Ce jeu est lié à un des films. Non, du coup, en fait, ça, c'est... Donc, le jeu, c'est Spider-Man 2. C'est le troisième jeu de la série. Et je crois que c'est une histoire séparée par rapport au film. Ou même au film en animé, d'ailleurs. Il me semble que c'est son propre multiverse. Et en fait, on est dans un univers où il y a deux Spider-Man, donc Peter Parker, qu'on connaît dans les films, et Miles Morales, voilà. Donc là, celui que je suis en train de contrôler maintenant, c'est Miles Morales, et voilà. On retrouve beaucoup de méchants et de personnages qu'on connaît déjà dans les films, dans les comics, bien sûr. Mais je crois que c'est une histoire à part entière, en fait. Le petit chat dans le sac à dos. Peter ! Aïe, oh pardon, excusez-moi. C'est tout de ma faute. Je suis désolé. Le petit chat. Spider-Man, wake up! Allez, let's go. Oh wow! What the hell? Ok. Go. Bah. Sympa. Oh là 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 là! On va avoir des nouveaux pouvoirs. Lorsque les symbiotes ennemis sont exposés à vos attaques anti-venom, ils sont affectés par l'anti-venom et subissent des dégâts supplémentaires.
Oh, let's go! Oh, les nouveaux pouvoirs! Where did this come from? Lee and I went in your head to clear out the symbiote left inside. He had to drain his power into it to save you. It looks like it had an effect. C'est les mêmes pouvoirs que Venom en fait, mais en blanc. Miles, that's... After so many times saying it, thank you seems soft. It's okay. I know. I don't deserve that kid. Oh, c'est si classe. J'adore. Bah dis donc, Peter, il lui sera arrivé des trucs hein, dans ce jeu. Hein. Ok, le boss. Let's try this again. Enfin, le boss, le mini-boss, quoi. Oh, je kiffe. Il prend cher comparé aux lézards, putain, c'est clair. Guess I should thank you. I spent years of my life consumed vengeance. I lost everything for it. You two reminded me that that's not who I am. When you help someone, you help everyone. Where are you gonna go? To set things right. Your way. Le chat. Wow. Reforming your greatest enemy. Can't say I've ever done that. Maybe MJ was right. Why would the city need me when it has you? I don't know. This city still looks like a two Spider-Man job to me. Let's get out of here. Oh là là, je surkiffe. Le chat est le meilleur personnage sans question, ça c'est bien vrai. Not yet. Ran into a speed bump. I think Miles just saved my life. What? What happened? There was symbiote left inside of me. It started taking over, but Martin Lee gave me his power. It feels different. Like the voices are gone, but the power is still there. That's incredible. MP, just wanted to let you know. I got my byline pulled off that article. And gave my landlord notice. Does that mean? It means if the world is gonna get turned into an alien wasteland, there's no one I'd rather be gooed up with than you. Oh, no. Mutual. Cute. Keep an eye out for Harry. I'll let you know if I hear anything. Okay, while I look for Harry, I should see what else needs some Spidey help. Oh non, je veux pas faire de pause.
Moi, je veux juste continuer l'histoire. Rendez-moi l'histoire. Oh là 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 là, la tenue anti-venom qui est super classe, quoi. Je pense qu'on va la garder. Et je pense qu'on va garder le chat aussi, du coup. Ah, elle est pas mal, cette tenue aussi. Non, mais on va garder le chat. En vrai, c'est la meilleure tenue, quoi. Compétences. Du coup, je peux pas... Et c'est vachement bien fait parce qu'en fait tout s'est adapté dans le... dans l'arbre des compétences. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a? La paralysie des ennemis a une petite chance de leur appliquer un effet critique vous permettant de réaliser un coup de grâce sans coup de concentration. La méga décharge bioélectrique émet un flash qui aveugle les adversaires humains dans un grand rayon autour de la zone de dégâts. Ok. Et là, j'ai absolument rien foutu là-dedans parce qu'en fait... Bon, je m'en fiche un peu en fait. Bah après, si, ça, je peux faire ça, parce que du coup, les esquives parfaites, maintenant, j'arrive à les faire. Ce qui est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Mission, on en est à 28 sur 31 terminées. Il faudrait qu'on fasse ça, en fait. On va aller finir ça, je pense. On est loin? C'est à Brooklyn, non? C'est là, Williamsburg. Ouf. Je me suis pris un building. Bah non, pas de JJJ du coup. Looks like they're keeping watch on that scrapyard nearby. And there's some burned up papers about Oscorp. I better get down there. Oh bah d'un coup il fait nuit. Great, they're still setting up. But this doesn't look like an Oscorp property. What are they? The Crimson Hour won't be long now, my embers. Can you feel it? The unworthy will. Soon enough. All those innocent people. Gotta disable these bombs before they can hurt the civilians in those buildings. I can do this. Les bombes peuvent être désamorcées à distance, faites attention aux ennemis à proximité pendant l'opération. Ah, c'est une opération de... So this is the Crimson Hour. Burning Brooklyn and everyone in it to the ground. C'est une opération de discrétion, les amis. Vous disposez de peu de temps pour désamorcer une bombe. En cas d'échec, vous et les ennemis à proximité subiriez des dégâts. One down. Too many left. Gotta move fast. There's no telling how much time's left. Way too late. Thank you.
more beautiful than the last. Embers, we have a spider problem. Nah, we don't. Okay. L'esquive parfaite, c'est ce que je voulais apprendre à Silent hier sur le culte, mais elle a pas réussi. T'as besoin de plus d'excuses, non, Jojo? Non! J'ai glissé, chef! Pensez que j'arrive à me cacher là et il m'oublie? Peut-être si on reste là, ils vont m'oublier, non? Ça se tente. En vrai. Silence. Ouais, c'est chiant le téléphone, on est bien d'accord. Ils savent que je suis là, mais je peux peut-être me débrouiller pour qu'ils m'oublient, en fait. C'était pas forcément ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Ok, ils m'ont oublié, ça y est. Si je me cache encore, ils vont m'oublier à nouveau. J'ai pas envie de me battre contre tout le monde en fait. Regardez ça, ils m'oublient. Où est la bombe? Alors ok, on est vraiment... You see him!
him down. Bon, j'ai réussi. Voilà. Du coup, j'ai fait la mission, mais... Ah merde, éliminer les adeptes restants. Mais non, je voulais qu'ils m'oublient, moi. Je voulais pas tuer tout le monde. Bon, c'est pas grave. T'as vu, Silence, ce qui s'est passé avec... Avec Peter. Comme il est beau. Élimine les adeptes. Oui, mais pas les mêmes. Hello Nirla, ça va bien. Oui, il est blanc, regarde. Parfait, Nirla. Oui, ben d'accord, mais j'étais quiet. Hello Tony Hub, ça va bien? Il a un cœur sur son tablier. Yuri. Eh ben, let's go. People. I will
I disarmed four of them, but there may be more. Stop holding back! If you have the highway to this entire neighborhood, the girls need to. Oh, ça a pas marché. It sounds like all this is the start of their crimson hour. But they climb, stopping at that. Trust the flame, Ray. Everything burns. The unworthy are laughing at you, my emperor. Laughing! What are you going to do? I checked the area earlier. We can find him together when we're done here. You can look for my lighter. Rick stole it at the hospital. Okay, let's go. Do it? Don't tell me. Okay. It's gonna hit the tankers. You've stopped trains before, right? Yeah. Yeah. True enough. No brakes. Great. Idiot? We derail it. How are we supposed to do that? Believe we're doing this? Really? Last shot. Let's go. Jesus Christ. C'est comme si j'y étais. Hein. On est sous un train quand même. Hein. Guess you're gonna have to make up a new prophecy. Before you and I met, one of my embers told me about his work at Oscorp and this treatment that they had discovered. Who cares, right? A fancy suit that can make you big and strong is just another case of the unworthy trying to cheat death and play God. Fuck. That's what I thought too. But when devils attack the city, like I prophesied, and Oscorp sent out some of this treatment for safekeeping. C'est pas très bien, ça, monsieur. Ça suffit. It was meant for me. And when the crimson hour rolls
this earth, it shall bring truth, judgment. Ce jeu est absolument incroyable. Parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. Ça, c'est une side quest, hein. Peter a besoin de vacances, mais oui. Last time, but I'll find him. You could have killed him, but you saved me instead. I told you, I'm trying to save the most lives. And you still do that pretty well. You gonna turn me in now? I'll let you know when I find him. Let's go le trophée là. He wanted that train derailed so he could get a symbiote. At least we stopped him from taking innocent lives in the process. Hey, Yuri. Do you want help tracking down the flame? Thanks, but I need some time to myself. Besides, we've taken down a good chunk of his operation, so he'll be going back to the drawing board. I'll start checking his old aliases. Archie Abel, Walter Wackman, Cletus Cassidy. But this could take months, maybe even years. I'll be ready when you've got something. Thanks. Le petit DLC qui s'annonce bien là. I couldn't turn her in after she saved me. Maybe I... Dr. Connors? Hello? He's here in my lab. Ah. I gotta call Miles and get over there quick. Miles, meet me at Connor's lab. I think Harry's there, and it doesn't sound good. On my way. Ok. C'est par où? C'est par là. Peut-on voyager rapidement? Non, en fait, c'est désactivé. Il y a plein de fois où c'est juste désactivé, en fait, même si... Should be a shortcut to Connor's lab near Central Park. I've gotta find a way to get through to Harry. He's in there. I know I can reach him. Just hope he doesn't hurt Connors. Wait, what is that? Looks mysterious. Ah oui, attendez, parce que j'ai des trucs du coup. Nouvelle tenue. Je m'en fous, je garde ma tenue, elle est trop belle. Composants de tenue ou gadget? Plutôt gadget, hein. Pas mal. Ok. C'est bon, les compétences, on a un point.
Ah non, ça marche pas, il faut 2 points de compétence. Ok. Je vais attendre. On va économiser. Ah! Folks, you're not going to believe il y avait un mur. As always here, it is absolute truth. Gooey black monsters have begun popping up around the city. I repeat, monsters are in our city, propagating and disseminating to ends unknown. We've heard numerous accounts of missing persons. I should look into it. See what I can find. C'est joli quand même, hein. Le petit Empire State Building là-bas. Il est beau en blanc, je l'aime bien. Un petit peu Avia, c'est vrai. Bah là, c'est une reproduction de New York qui est plutôt pas mal faite d'ailleurs. Ils ont changé certains trucs, mais il y a plein de trucs qui existent vraiment. Il y avait un mur dans la vraie ville en fait. C'est marrant. Let's go. Norman, what are you doing? Uh-oh. Je crois pas qu'on puisse regarder par les fenêtres si c'est pas voulu par le jeu, Avia. Il a tes yeux, Norman. Et ton sourire. Ah. Goodbye, Norman. J'ai pas trop compris pourquoi il cherchait ces pierres-là. Mais à mon avis, c'est pas une bonne nouvelle. What's he gonna do with that thing? Ah bah voilà. Peut-être qu'on va savoir. I think we're about to find out. You need to know. Harry's gone. Host and symbiote are perfectly fused. I'll find a way to save him. You can't. Halloween, arrête de manger le micro, arrête. Stop the symbiote. Okay. How? By killing the host. Please. Vous l'entendez, ronronner là? Putain.
J'ai un chat qui aime bien se frotter contre le micro. C'est très drôle. Bonk. Mais Halloween, arrête, laisse-le tranquille, il t'a rien fait ce micro. Bon bah je crois que c'est un peu la merde à New York, hein. Seeing what I'm seeing right now. We've got a lot of New Yorkers being attacked by these things. I'm on it. Stay safe out there. All he needed was that meteorite. Now he can heal the world. This isn't what we meant. Okay, c'est la loose. You'd climb one of these things without hesitation, really? Scare the shit out of me, I think. C'est où? C'est de l'autre côté? Non, bah tu m'étonnes, Jojo. Symbiotes are trying to get at those people. Boom! Oh, mais il faut se calmer là, hein, dis donc. Ça suffit, oui. Ah, les rouges, c'est des nouveaux. Ils sont forts. I guess it doesn't help that I'm scared of heights. I got vertigo real bad, so... Those civilians are in trouble. I'm coming. I'm coming. Okay. J'arrive, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. À Central Park, ça fait un peu moins rêver comme ça. Hein.
There's the bus. Gotta save those people from the symbiotes. Stay calm, everyone. I can handle this. Ils sont beaucoup là. J'ai l'impression d'être Kratos quand je fais ça. C'est la rage de Kratos. Here we go. This area is not safe. If you don't have a place to go, Beast is open to anyone. My hero. T'as raison, Jojo. Miles, we have to talk. No kidding. There are nests popping up everywhere. Sending you coordinates now. Got it. Watch yourself out there, man. This is something else. Harry, I'll find you, buddy. I'll find you somewhere. Oh, on est sur Times Square là. Ok, c'est en haut de Times Square, très bien. J'ai du mal à monter. Il y a un avion quand même au-dessus de New York. Ah, il a changé de tenue. Putain, le product placement de Adidas dans ce jeu, c'est incroyable. Wow. What happened, man? Harry got the meteorite. I couldn't stop. Ben oui, Wilsha. Connor said we can't save him, so we have. I can't lose him, Miles. I can't do this again. I saw May when I was in your head. It's not your fault, Pete. She wanted to save you. To save all of us. She never thought about herself. Even when she was struggling to breathe. If May, my dad, if they were here, they would want us to stop thinking about them. They'd want us to help people. To fight. Harry's still in there. And we're gonna fight like hell to get him back. J'arrive. Heureux. Eh ben dis donc. Je m'y attendais pas. Il est 19h. Mais Amazon délivre le livre toujours à cette heure-là.
N'empêche, les Spider-Man et Women ont eu bien de la chance que leur toile sorte des poignets. Parce que bon, si c'était comme chez les araignées, ce serait un peu moins pratique. Ah, ça vient d'où chez les araignées? Mais beaucoup plus drôle, je crois que j'ai compris. Let's split up. Cover more ground. You find the meteorite, I'll clear that nest out. Non, bah dis donc. You got it, Spider-Man. Ça serait très drôle quand même. Nous on aimait bien le petit chat, mais bon, tant pis. Les Adidas 4D, du coup. Ready to get started. PG-18. Bah, let's go. Oui. I have to check out that infected skyscraper I saw with Pete. There has to be something there. Gotta clear it out and move on to the next. Mmh. Charmant, bon appétit bien sûr. Countdown begin. Looks like that scares you, huh? I must be onto something important for you to try to defend yourself like this. I can't let them get to the heart. Putain, ça les a tués, ça les a pas tous tués. C'est un peu de la triche. How's it going, Spider-Man? It's going. These voices. I hear them too. Keep looking for that meteorite. Don't let them get in your head. That's not Harry Coffin. Right. No, you're right. Call me when you finish up. Stay focused, Pete. Let's go, salut Yoren, ça va? Ouais, ça sent la fin, il reste 2 missions, donc je pense qu'on va terminer ce soir. Fuck, what's going on? You are home. Finally, you are where you belong. Alors non, on n'est pas trop d'accord du coup. Is this what happens when people turn into symbiotes? You are safe here.
Everyone you love is safe here. My head. I have to find a way out. Why would you leave? We are here. You can be too. You. Peter. Us. This isn't where I belong, Harry. Neither do you. Come on, Miles. Come on. Let us heal you. Bring us, Peter. That's not the way, Harry. You know that. Pete and I, we're gonna save you from this. No, we are saving you. Haley. Haley? No! Come on, Miles, fight it. Get out. Haley's in trouble. Pete, I saw the meteorite. It's under the Harlem subway station, next to the bridge. Heading there now. Wait for me, though, man. Harry. He's after you. I have to go help Haley, but just wait, all right? Whoa, whoa, back up. What happened? I got sucked into the hive mind. Allez, Gab, ça va bien? Saw this vision of the meteorite underground. But I've got a bad feeling. You think Harry's there? Serious, Pete. Just give me 10 minutes. You cannot do this alone. Right. Call me when you're done. Sorry, Miles, but I can't waste any time. Il va pas être content, Miles, si j'y vais sans lui. Oui, ça va, Gub, ça va, ça va. Facebook t'espionne, hier là. There's the subway entrance. Miles has to be right. That's where the meteorite is. Oui. Have to clear out this bridge. Everyone, stay in your cars. I won't let them hurt you. Harry! Venom! I know you're here. Yes! I'm here, buddy! No. I know! Just hang on! I'm coming! Où les méchants? Ah là. Thank you. You're the best. Oh my god, that looks amazing. You're the best. Thank you. Trop gentil, mon chéri. Il m'a apporté à manger du riz, du poulet, des petits pois. Oh là là, ça a l'air trop. Et un œuf? Oh là là. Fried rice. Vous avez mangé quoi, Gum? Ah ouais, moi épicé, je peux pas, c'est pas possible. Oh là là, c'est trop bon. The meteorite has to be underground. Venom! Please talk to me! I have to get underground. I can't leave these people behind.
C'est plus de la coïncidence, c'est un complot. Après, je t'avoue que mon chéri, il mange ça tous les soirs. Donc c'est pas bien compliqué. On a bien avancé, t'as vu, Gub? Oh là là, je suis trop contente d'avoir anti-venom, c'est trop bien. Ça aussi, c'était une grosse surprise. Hein. Mais ouais, en fait, comme mon chéri, il fait beaucoup de sport et tout, il mange ça parce qu'en fait, du coup, c'est plein de protéines et tout, et c'est super lean, en fait, comme repas. Et comme, du coup, ben... Comme ce soir, j'ai pas eu le temps de me faire à manger avant de venir streamer, il m'a dit, t'inquiète, je m'en occupe, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, bah, écoute, fais comme toi, tu... Comme tu fais d'habitude. Je n'ai pas le temps pour ça. Peut-être... No! Come on, Spider-Man! Almost done! Harry! Can you hear me? I'll find you, buddy! I'm coming! Just stay down! There, the subway tunnel. Hey, everything all good with Haley? Not yet, but you still owe me a few more minutes. Hang tight! Haley! No! Ah ouais, moi j'ai rien vu venir, Gub, je suis trop contente. What are you doing here? I was trying to save you. You're incredible. I like you so much, and I think... No. Do you want to go out? No. On a date? Is that a yes? Well, it's a date, Ben. After all this is over. Cute. Pete! I'm on the way! Pete? Harry! Hey, it's Harry. Leave a message. Hey, buddy. I talked to Dr. Connors. He says you're too far gone, but I know that's not true. Harry, I messed up. It was terrible to you. Your dream, our dream, healing the world. I'm sorry. Oh God. Ça va être pratique de se battre dans le noir. Everyone's gonna be okay!
Si on pouvait éviter d'être dans le noir, moi ça m'arrangerait en vrai, mais bon. Il y a du monde, ouais. I have to get to that meteorite. I'm so close. J'utilise toujours proto celui-là, il faut que j'arrête de faire ça. Oh bordel. Miles, I'm not seeing a rock. No? Hold on, I'm nearly to you. Uh-uh. Thanks for coming, Pete. We want to show you something. Harry, what are you? We are healed. Finally free. That gift to everyone. But we need you with us, Pete. Heal the world together. Yo, bro. Not cool. Let's go les Spider Bro. Oulala. You good, man? Oh, we need to call MJ. I know where the meteorite is. Ah bon? Ok. MJ, we all need to meet up at May's house. What's going on out there, guys? It's the meteorite that the symbiote arrived in. He's using it to transform the city. I know where it is. And we're gonna steal it. Time to game plan. I'm in. See you guys at home. Ok. Niveau 37. Exact. Ok, qu'est-ce que je peux acheter? Ça. Même si je pense que ça va pas servir à grand-chose. Quand même. Non mais en vrai...
Ils me vont très bien, leurs costumes. Oh là là, c'est classe, ça. Ah, j'adore. Énorme. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut se... Eh, du coup, c'est la dernière mission, ça, non? Ouais, 30 sur 31. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on va pas tarder... C'est la fin, quoi. Hop. Listeners, I implore you, stay inside your homes, lock the doors, board the windows, trust no one. The city is overrun with a miasma of massive, oppressive tendrils emanating from the ground beneath our feet, spawning creatures from what feels like hell itself. They're capturing us, converting us, and will soon overtake us. Pardon, monsieur. Don't give them the chance. While the government sits on its hands. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu le bordel depuis la dernière bataille ici. Looking for any signs of weakness these creatures show. We will defend ourselves. We know we can't count on the Spider-Men to save us. If this last week's events have proven anything beyond a shadow of a doubt, it's that the heroes make things worse, not better. In the meantime, stay safe. Remain vigilant. We will get through this. New York does not go down without a fight. And I will be there, right next to you, on the front lines. Je sais pas si c'est une très c'est très rassurant comme information. May we all see tomorrow. C'est votre dernière chance de collecter des ressources et de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. Bah, je pense qu'on est good en vrai, hein. On est bien. Central Park Reservoir. The water system. Pumping goo everywhere, adding more and more people to the hive mind. If all those symbiotes get out of Manhattan. Goodbye, Earth. Hello, planet goo. The meteorite is the source of all the power, right? Creating goo, creating symbiotes. But it was useless until Harry repaired it. Yeah. And that particle accelerator is what damaged it in the first place. Cut off a piece at low power. Right, so what if we crank the power up? Like way past 11? Might destroy it. And free everyone connected to the hive mind. Theoretically. But that reservoir's gotta be mobbed with symbiotes. And you know Harry's not gonna let that rock out of his sight. Unless he sees something he wants more. Me. Just, you know, for illustrative purposes. Harry's still Harry. He thinks he's healing the world. But the dream isn't complete without... His best friend beside him. I can lead Harry away from the meteorite. And I can handle all the symbiotes. While I grab the space rock. For illustrative purposes. All right. Badass. Fire up the accelerator. No more hive mind. Boom! World saved. We all get euros? Theoretically. Pete, what Connor said about Harry being too far gone.
If you can't save him, are you ready? We'll come to that. You two will be able to destroy the rock in time. Let's heal the world. For real this time. Let's go. Somewhere in that thing? So are Harry and his friends. Here. I figured you could use a sonic touch. They're just standing there. What are they waiting for? Look, I can't thank you both enough for everything. Come on, bro. Salut, grand cœur, tu vas bien? Don't anyone forget it. Ça fait longtemps. Tu arrives sur la conclusion du jeu. Hey buddy. You gonna sit in there and play with your pet rock all night? Pourquoi il l'attaque pas? J'ai oublié un truc. Me, Harry. Like we always wanted. Catch me if you can. T'inquiète, gros gars, c'était pas au proche. Ça me fait plaisir de te voir. Installe-toi. Go. You wanted a story, Watson. What was that? Dead end? No. There has to be a way in. Tirer sur les pouces jaunes pour ouvrir les portes de rush. Ah! J'y étais presque. Courir, monsieur, je fais de mon mieux là. Oh là là, la satisfaction du truc. J'ai pas l'habitude de jouer à des shooters, moi. Hein. Arrête de bouger.
service pas très bien ton truc. Looks like the meteorite's connected to the rest of the hive. Go se mettre à Valo. Just a normal rock. That can also end the world. Oui, c'était pas censé être facile. Je sens que c'est pas une bonne idée. Je l'avais pas vu celui-là. La pierre remplace le chat, c'est vrai. Ça, ils vont si vite! J'avoue, c'est quand même pas très facile là, de viser, on va pas se mentir. Il est où? C'est où l'ouverture? Ah, c'est là. En fait, ce qui est compliqué là, c'est que pour tirer, c'est R2 pour viser et... Non, pardon. L2 pour viser et R1 pour tirer, mais pour sprinter, c'est R2. Du coup, c'est chiant de passer de l'un à l'autre, c'est pas très pratique. Et il n'y a pas de lock des ennemis non plus, donc du coup c'est vrai que la caméra elle va un peu de partout. Ah ok, je peux pas esquiver en fait. Il faut que je cours. D'accord, c'est différent. You gotta be kidding me.
heard it. That symbiote's big, but I'm fast. Great idea, MJ. Oh, merci pour les GG's. One isn't invited to our high school reunion, Harry! Harry! D'accord, comment ça se passe? Du coup. Oh merde, pardon. Please, remember everything we've been through. J'ai trop le réflexe d'utiliser des toiles, mais ça sert à rien. Pardon pour le bonk du micro. Get caught in that stuff again.
Mais j'essaie de parer, mais ça marche pas. Putain, il est hardcore. Si difficile. Join us. Please, remember everything we've been through. Did you forget about Flash kicking our asses for 4 years? We were weak then. We had each other. Oh my God. Merci pour les GGs. Merci beaucoup. À quoi ça veut dire ? Non mais je comprends pas. C'est loin. Hein.
for everyone. Gave you everything you ever wanted, and you threw us away. I should have been better. I'm so sorry. Then you replaced us with miles. He poisoned you. Gives us even more. No! He saved me! Just like I'll save you! We've never been good enough for you, or Dad. It's messing with your head, Harry! You're my best friend! Then why don't you trust us? I trust you, Harry! Not that thing you're wearing! We are not a thing! You're stronger than the symbiote, Harry! Fight it! Who are these guys? Pardon, je suis hyper concentrée. Ok, P2, terme. Salut Goji, merci beaucoup pour ton resub, pour ton 18e mois, merci beaucoup. Ah, j'ai cru qu'il y avait un raid. What you do to me? I'm never gonna heal the world with you. Not like this. Oh god. Oh my god, what the hell? Oh putain. Ok, pratique. It never ends. Ouais, c'est la dernière mission là. Me.
Il a vraiment besoin de vacances, c'est clair. He's okay, right? Let's just get him out of here. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est classe. Horrible, mais classe. Our future doesn't belong to you. Trust me, you don't want your future. Okay, ça va être compliqué. Boom. More? Okay. Quoi? Tu triches? C'est stylé hein, de se battre comme ça dans les airs. Salut Rainbow. Alors non, c'est pas Batman. Merde. Fuck. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, parce que je peux pas rester appuyé, ok. Up.
away from that thing! Get out of our way! Le jeu est hard pour du mode facile, mais grave. Putain, on va tous y passer, hein. Peter debout en fait. Ah, il a P2. C'est la quatrième phase, du coup, celle-ci. Il y en a eu deux avec Peter, et là, c'est la deuxième qu'on fait avec Miles. C'est dur, hein.
putain. Man, that's the symbiote talking, not you. You were jealous. That's why you pushed us apart. Maybe I was, but Pete wasn't Pete. Ça l'a pas touché? Oh là 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 là, mais quelle loose! J'arrive pas. J'ai plus de vie, je vais mourir. J'avais oublié un des contrôles et en fait effectivement je crois que c'est plutôt pas mal si je... Fuck. Oh là là, mais quel enfer. J'ai encore raté. Yeah.
mais quel enfer! Mais vous imaginez, mon jeu, il est en facile. Quel enfer. J'arrive pas à éviter ces attaques lourdes, il est trop rapide en fait. Et en fait j'ai pas assez de temps pour réagir. Voilà, faut que je fasse comme ça en fait, mais il va trop vite. Bordel.
You ready to finish this? Almost. Les gâchettes adaptatives ici, là, c'est trop bien. Du coup, c'était hyper dur d'appuyer sur les triggers. Trop bien. I'm done. Either way, Pete. No, no, no. We still have time. No, we don't. It'll kill them. And then it'll kill you. Let's heal the world, Pete. Together. Let's go, MJ. Holy shit. On a réussi. C'était intense, hein? Oh, je suis plus émue que ce que je pensais en vrai. Un peu beaucoup ému, j'avoue. Goodbye, Venom. You did it.
Quelle aventure, c'était ouf. I'm sorry. Go, Miles. Give me some room. I don't know if it's gonna work, but I gotta try. Moi, mon petit cœur de bisounours est contente. Hein. Pulse is weak. We gotta move. What have you done? Oh my god. What have you done to him? I'm sorry. I'm coming with you. Wait. Quel connard, pardon. Mais oui, on lui a sauvé la vie. Brain activity, but his chances of coming back are very slim. Just keep him alive. C'est vachement utile de faire ça. Toxique. Mais déjà, il est vivant en fait. Et c'est plus Venom, c'est déjà pas mal, non? Get the G serum ready. Oh, ASAP. For the last few years, tragedy has tried to tear the city apart. But we somehow kept going. We battled sickness, evil, cataclysm. We are tired, anxious, stressed, numb. But we have never lost hope. The city needs to heal. We're all ready to return to normal, but what is normal? What if it no longer exists? Over the last half hour, I've talked about how these events have changed me. But
What about you? In this ongoing series, I will be talking with people throughout the city, exploring our new behaviors, new routines, new thoughts and feelings. I hope you'll join me on this journey. This has been Mary Jane Watson, and you're listening to The New Normal. Allez, GG's MJ. C'est bien d'envoyer un truc sans le réécouter et tout. Putain, elle est confiante, hein. Episode 1, done. Nice. I don't know. Are these good to go? In a minute, I want to show you something first. Okay. It has molasses in it. Yum, I'll take those. Thanks again for the donation, Peter. Let's go, la pièce de stream. Le labo plutôt. C'est cool. Have you talked to Miles about? Not yet. You ready? Miles, I've been meaning to talk to you about something. I mean, I have been talking to you all the time. It's great to talk. So many good talks. I just haven't been talking to you about what I should have been talking to you about. Pete. Let me start again. I got this. All of it. Go be Peter Parker for a while. Are you sure? It's a big city. I can handle it. As long as I can still call you for advice. You don't need it. Maybe not now, but there'll come a time. I'm here for you. Always. Bro. See you. C'était trop bien! Let's go! C'était trop cool. J'ai vraiment kiffé le jeu, mais à partir de la moitié en fait, surtout. J'ai trouvé le début un peu long. Disons que j'ai pas trouvé Kraven très crédible. Enfin, en tout cas, je me suis pas trop... comment dire Pour moi, c'était pas un méchant qui en valait le coup, en fait. Et du coup, tout s'est expliqué au bout d'un moment. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est vraiment les
3-4 dernières sessions qu'on a fait où je me suis éclatée dans le jeu, quoi. J'ai kiffé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis un peu de temps à le démarrer? Effectivement, j'ai fait une ou deux sessions, puis après, je me suis arrêtée pendant longtemps. Craven, le mec dont t'as jamais écouté le speech expliquant le pourquoi du comment qui fait... Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bah, je sais pas, je l'ai pas... J'ai pas... Ouais. Mais là, les dernières sessions qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi. J'ai retrouvé un peu le kiff du premier, où j'arrivais pas à m'arrêter, quoi. Et là, c'était incroyable. C'était trop bien, c'était surprise, enfin, surprise après surprise, vraiment, c'était génial. Ben, en fait, c'est juste que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il foutait là, en fait. Je trouve que d'habitude, les méchants dans Spider-Man, ils ont quand même une raison d'être méchants, tu vois. Et là, je trouvais que Craven, ben, il arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Un gros jeu qui prend fin, tout à fait. Mais du coup... J'ai vraiment adoré, bah, à partir du moment où on a un peu où Venom arrive, en fait, finalement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super kiffant, quoi. C'était trop bien. Ouais, franchement, Jojo, je te le conseille. C'était vraiment un bon jeu et c'était vraiment très sympa. Je suis vraiment contente de l'avoir fait et de l'avoir tenu jusqu'au bout, en fait. Donc non, vraiment, vraiment, vraiment top. C'est marrant, leur crédit, ils ont pas de... Ils ont... Ah, c'est par ordre alphabétique. C'est ça? Ah non. Si, je sais pas. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est bizarre. C'est que des B, mais c'est pas dans l'ordre. Ah, ça va dans l'autre sens. Non, c'est ordre alphabétique inversé, en fait. Et puis là, du coup, ouais. Au final, ce jeu par Insomniac, ça parle vraiment aux gens qui ont grandi avec le jeu Spider-Man de PS1, PS2 en mixant un peu avec les films d'animation. J'espère d'ailleurs que les prochains seront en cel shading. Bah, moi j'avoue, j'en avais fait aucun. J'ai vraiment juste fait Spider-Man 1, Miles Morales et celui-là. Mais c'est vrai que c'était kiffant, quoi. Oh, pardon, Gab, j'avais pas vu ton message. Bonne nuit. Dors bien, merci de nous avoir accompagnés ce soir. J'espère que l'aventure t'a plu, du coup, bonne nuit. Bah, c'était chouette. On va avoir une petite scène post-crédit, je pense. Indeed. Well, well, well. What do you want? The Spider-Men. You know who they are, don't you? Ah oui, donc en fait, Norman, il a décidé que c'était la faute des Spider-Men, quoi.
They ruined my son. Mais on l'a sauvé. C'est intéressant, il porte du vert. Petit clin d'œil. Good. We all have to experience loss. Even you, Norman. What are you writing? The final chapter. Interesting. Subtil comme message que le prochain c'est le dernier peut-être. C'était cool. C'était très très cool. J'avais pas prévu de finir ce soir mais au final ça tombe très très bien du coup. C'était trop cool. J'espère que l'aventure vous aura plu en tout cas. Ouais, c'était chouette. En vrai, je pense Silent, tu peux le faire. Hein. Je pense que tu kifferas, même si t'as un peu vu l'histoire et fou. Attends un peu le temps de d'oublier, mais je pense que tu kifferas. Ouais, et je sais déjà ce qu'on va faire après. J'ai déjà choisi. Goji, ouais, t'as regardé que la fin du coup. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, je sais pas quand est-ce que je streamerai la prochaine fois. Supermarket Simulator, c'est pas dans le programme. Baldur's Gate 3, je l'ai déjà fait et fini et j'ai au moins 200 heures dessus, un truc comme ça. Je l'ai juste pas fait en stream, mais c'est mon GOTY 2023, c'est clair. Mais pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, du coup, je ne sais pas quand est-ce que ça va être la prochaine fois que je stream. J'espère la semaine prochaine, mais je sais pas. Donc du coup, je vous tiendrai au courant sur Discord. Ça sera pas Balotro non plus. Mais du coup, hier, on a joué à Cult of the Lamb et c'était la dernière session. Du coup, on va commencer Prince of Persia. À la place. Enfin, ensuite, il faut qu'on termine Limbo, et après Limbo, on fera des jeux de la liste des jeux indés que j'ai. Et après Spider-Man, du coup, je pense qu'on va jouer à Steel Rising. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu français. C'est un Souls-like, je crois. Voilà, donc j'ai hyper envie de le faire, j'ai la version collector édition royale PS5 juste devant moi là, que j'ai reçue il y a quelques mois, et j'ai hyper envie de le faire, il me tente grave, surtout pour l'ambiance en fait, un peu dans le genre de Lies of P, tout à fait, Donc voilà, donc je pense que ça va être ça le plan. Bon après, je me laisse toujours un peu de marge pour changer d'avis s'il faut. Mais oui, je sais qu'il a beaucoup déçu, mais je me considère quand même comme une joueuse assez bon public. Je sais pas si c'est fair de dire ça, mais comme je bosse dans l'industrie du jeu vidéo, j'arrive aussi à faire la part des choses,
Et voilà. C'est moins Souls-like que Lies of P, non, mais de toute façon, je m'attends à rien de spécial. Je veux juste me faire mon propre avis et surtout, je vais pas me laisser influencer par ce qui a été dit et tout. Et je veux juste, en fait, aller me balader dans ce monde un peu steampunk qui me fascine, en fait. Donc, voilà. Chez qui j'ai entendu qu'il était bien, mais qu'il avait été snob, comme Jean, on en a très peu entendu parler, de Prince of Persia. Ben, c'est dommage, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont kiffé Prince of Persia. Donc, moi, il a toujours été dans ma liste. Je sais pas sur quelle plateforme je vais le faire. J'ai pas encore décidé. Je vais voir. Je sais qu'il a été beaucoup apprécié, notamment pour ses options d'accessibilité. Et pour moi, c'est hyper important. Et c'est un Metroidvania, donc on part sur un type de jeu que j'ai pas fait depuis un moment, mais que j'adore. Donc voilà. Et puis j'ai hyper hâte de tester certaines de leurs fonctionnalités qui ont été implémentées dans le jeu. Entre autres, la possibilité de prendre des photos qui s'afficheront donc sur la map comme aide-mémoire. Et ça, tu parles de The Messenger, Tonium, non, c'est ça? Le dernier Assassin's Creed, j'y ai pas du tout joué, moi, du coup. Mais c'est vrai que t'avais bien aimé Silent. Mais voilà, donc c'est les deux jeux que j'ai un peu en tête pour la suite. Ensuite, on verra. Oui, The Messenger, tu connais? J'en ai un peu entendu parler, ouais. Un peu. Pas trop, mais un peu quand même. Full fougère. Bon, peut-être que je le ferai un jour. Moi, j'avais adoré Assassin's Creed Odyssey, surtout. Mais là, j'avoue que Skull and Bones m'a un peu refroidi des jeux Ubi, donc on verra. Mais je sais qu'il a beaucoup plu quand même Mirage, mais c'est vrai que moi c'est pas forcément un jeu qui me parle plus que ça, donc on verra. Mais voilà, donc c'est un peu le plan pour la suite. Je sais juste pas quand, en fait. Donc je vous tiendrai au courant. Hello Nash! Ouais, la fin de Spider-Man 2. Je vais filer, j'attends juste la fin des crédits. Mais c'était trop bien. Tu vas bien? En tout cas, je suis hyper contente de cette aventure, c'était très chouette. Ça va, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, oui, c'est tout. Après ici, Black Flag, j'ai joué à fond une dizaine d'heures semaine dernière, puis j'ai uninstall, c'est dommage qu'on ait pas un vrai bon jeu de pirate. Bah, moi, Black Flag, je l'ai fait deux fois jusqu'à la moitié, et je passe jamais la moitié, parce qu'en fait, à bout d'un moment, je m'ennuie. Et bah ils ont essayé avec Skull and Bones, hein, un jeu de pirate, mais j'ai pas accroché plus que... C'était sympa, mais sans plus, en fait. Ça m'a pas accroché plus que ça, c'était trop too much, en fait. C'est dommage. Et Ship of Fools, c'est un très bon jeu de pirate. Recommande. Skull and Bones est bien, mais à petite dose, ouais, c'est ça. Ouais, bah j'ai bien joué pendant une semaine. Mais j'ai bien aimé y jouer à deux avec Silent, c'était cool. Mais c'est vrai que j'y jouais pendant une semaine, à fond. Et après, j'ai lâché. Et j'ai plus jamais repensé, en fait. Ça, le jeu me manque pas du tout. C'est-à-dire que si j'ai du temps devant moi, je me dis pas du tout « Oh tiens, et si je lançais Skull and Bones, en fait ?» Donc, voilà.
J'aimerais un jeu avec l'ambiance Black Flag, Pirates des Caraïbes. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça... Ça n'a pas ultra bien marché, quoi. Bah bon, après, après j'ai passé un bon moment les heures que j'ai passées dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas non plus... C'était pas ouf. Mais ouais, non, mais ça devrait être... Ça devrait être pas mal, là, les prochains jeux qu'on va faire. En vrai. Mes lunettes me défoncent le derrière des oreilles. Pardon. C'est vraiment chiant. Voilà, donc bah, on va juste attendre la fin des crédits, puis moi je vais vous laisser là. Je suis contente d'avoir terminé ce soir. En vrai, je pensais pas. Je pensais que je devrais refaire encore une session après, donc c'est trop cool. Après, je suis trop influençable, je regarde Pirates des Caraïbes, j'installe Black Flag. Bah ouais, mais t'as raison en même temps. C'est une ambiance trop chouette, les pirates. Le début est lent, c'est son seul défaut. Quel jeu, Altar? Spider-Man? Ou Black Flag? Ah, Black Flag. Moi, le début, c'est le seul truc que j'ai fait plusieurs fois. En fait, au bout d'un moment, je m'ennuie. Parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être hyper accro. Mais comme Skull and Bones, en fait, je vais être accro pendant les premières heures. Et après, ben... Pff. Mais c'est ça, en fait. Tu te retrouves à faire toujours la même chose. T'es toujours en train d'aller espionner dans des plantations, machin et tout. Bon, au bout d'un moment, c'est répétitif, quoi. Mais cela dit, j'ai eu le même problème avec Assassin's Creed Odyssey, mais par contre, j'ai été jusqu'au bout de l'histoire principale. Parce que j'ai vraiment adoré. Mais j'étais partie pour faire le 100% et en fait, ça m'a saoulée. Parce que pour le coup, c'est vraiment... La même chose après, tout le temps. Mais par contre, l'histoire était vraiment cool, moi j'ai adoré. Syndicate, j'ai vraiment surkiffé, même si j'ai pas fini, parce que je regardais Peaky Blinders en même temps. Oui, bah en même temps, il faut faire des choix. Hein. Tommy Shelby pèse plus fort dans la balance que tout, en fait. Tu peux pas. Y a rien qui fait le poids. Mais moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait Black Flag. Et... Odyssey. Un peu Valhalla. J'avais un bateau licorne. C'était trop bien. Mais je pense que Syndicate, il me plairait bien. Mais c'est vrai que j'ai pas... Il y a du monde hein, qui a bossé sur ce jeu, dis donc. Hein. Un bateau licorne, ouais. J'avais un drakkar avec des paillettes. Merci beaucoup, Nash. À la prochaine, des bisous. Merci d'être passé. Chez qui je vais vous envoyer après? Il y a qui est en live? Je vais vite filer une fois que ça c'est fait. Ah, je vais vous envoyer chez Nymeria, ça fait trop longtemps. Je regrette d'avoir raté la période Drakkar Licorne. Je suis même pas sûre qu'il y ait les VOD sur YouTube en plus.
Je crois que c'était trop au début de la chaîne. Ah, peut-être que si, en fait, j'en sais rien. Je l'ai peut-être mise. Ah bah si, si. Si, si, elles y sont toutes. Hein. Il y a 9 épisodes. En vrai. Donc si tu veux aller voir mon, si tu veux aller voir mon bateau licorne, tu peux. Hein. Non, Simon, t'étais pas là du tout au début de la chaîne. Elle est arrivée plus tard. Un an et demi plus tard? Non. Je sais plus. Je sais plus. J'ai commencé la chaîne en septembre 2020. Ah bah ouais, 6 mois du coup. Mais de toute façon, sur cette chaîne, les 3 premiers mois, c'était du Breath of the Wild non-stop, tous les jours. 7 jours sur 7, c'était que du Breath of the Wild. Après, j'ai joué, je sais plus trop, j'ai fait un peu de... comment ça s'appelle ? Watch Dogs, Legion, j'ai fait du Assassin's Creed Valhalla, j'ai fait du... Hyrule Warriors, j'ai fait... pas mal de... Immortal Phoenix Rising. Au mois de décembre, c'était ça, je me souviens. Pas mal de jeux indés à partir du mois de janvier aussi. 2021. Ouais, tout ça c'était au début. Shelly Part of Me du coup en avril. Parce que c'est là que t'as follow. Tout à fait. J'aimerais bien que ça s'arrête en fait les crédits, il faut que j'y aille en fait. Commence à se faire vraiment tard. Donc, une fois n'est pas coutume, je pense que vous me pardonnerez et que Insomniacs me pardonneront. Mais on va s'arrêter là, parce qu'en fait il faut vraiment que je filme. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure qui était trop chouette. 3 heures de stream c'est bien, mais c'est surtout qu'on m'attend en fait. Donc il faut que je file, mais c'était très chouette, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette aventure, et voilà. Ah mais attends, moi je peux faire avance rapide? Ah mais oui, mais attendez, on peut passer, juste au cas où. Ah ouais, si, c'est important quand même. There's more. There's always more and never ends. Hayley. Hayley, hi. I hope you're hungry. Food's almost ready. Why don't you go show her your essay? He worked so hard on it. Cette tronche. Some guy in Harlem, probably seen him volunteering in the city, helping out his city council mom,
and trying to live up to his hero dad. Yeah. C'est son écharpe, je crois. Non. Cute. Un peu rigide cette écharpe. Hey. Hi. Miles, Haley. This is Albert. Hi. Nice to meet you. Aw. Oh, and this is my daughter, Cindy. C'est fini! Let's go! Suspect cette Cindy, on n'a même pas vu, on a même pas vu sa tête. Ouais, c'est trop bien qu'ils signent tous. Félicitations, vous avez terminé l'histoire principale, mais Peter et Miles sont toujours partants pour continuer l'aventure. Vous pouvez aussi rejouer des missions déjà accomplies avec rejouer la mission via le menu pause ou recommencer l'aventure en difficulté ultime ou en lancer une nouvelle partie plus. Bonne chance. Alors non merci, parce que déjà la version easy du jeu c'était compliqué. Bref, c'était trop bien. Moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous tiens au courant sur Discord quand je stream la prochaine fois, puisque je ne sais pas. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis eh bien, à la prochaine fois. Prenez soin de vous, reposez-vous. Plein de love sur vous et des paillettes. Et à la prochaine. Bye bye tout le monde.